À toutes bonjour à tous j'avais promis de faire une vidéo complémentaire à celle que j'ai publiée il y a maintenant deux semaines au moins, euh, sur euh, le système de, de facturation qui entre en vigueur pour les travailleurs indépendants au Japon et parmi eux, les artistes, et parmi les artistes, plus particulièrement les mangakas. J'ai reçu à la suite de cette vidéo un certain nombre de questions qui se recoupent beaucoup et qui n'appellent pas une réponse très longue, donc je me propose d'y répondre cette fois assez brièvement. Et euh, de vous apporter des compléments sur ce qui s'est passé depuis. Alors, bah, le 1er octobre est passé, le système de facturation est entré en vigueur et les problèmes ne sont pas résolus, particulièrement pour le secteur du manga. Alors, quel, quel est le, le problème principal en fait C'est que euh, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce système de facturation, les, les travailleurs indépendants. Et parmi eux, les artistes et parmi les artistes, les mangaka, étaient exonérés de comptabilité sur euh, la taxe sur la consommation, Shokizé, euh, qu'on peut traduire plus simplement par TVA en France, euh, s'ils avaient un revenu inférieur à 10 millions d'yens par an, c'est-à-dire en gros un peu plus de 60 000 euros par an. Euh, ça, en fait... À vrai dire, ça ne change pas, sauf que euh, les éditeurs ou toutes les entreprises qui font appel à des prestataires qui sont exonérés de TVA, et eh bien ne vont plus pouvoir déduire eux-mêmes une part de TVA déjà payée aux prestataires euh, dans la TVA qu'ils vont devoir payer à l'État. Exemple. Un éditeur demande à un dessinateur de manga de lui créer 20 pages par semaine. C'est le rythme à peu près des dessinateurs de manga en hebdomadaire. Euh, pour, le, le pay, il va le payer euh, par page, donc un certain montant par page, euh, toute taxe comprise et donc TVA comprise. Euh, cet éditeur va ensuite devoir payer lui-même de la TVA à l'État. Euh, la TVA qu'il aura lui-même encaissée et euh, il veut pouvoir déduire une part de TVA déjà payée à ses prestataires, donc il va vouloir déduire une part euh, payée au dessinateur de manga. Sauf que pour ce faire, il faut désormais impérativement que le dessinateur de manga émette une facture en bonnet du forme, numérotée de façon euh, officielle et euh, qu'il s'enregistre donc comme travailleur indépendant auprès des services de l'État. S'il ne fait pas ça, s'il n'émet pas une facture en bonne et due forme, eh bien, l'éditeur lui-même ne pourra pas déduire de parts de TVA et donc ça va renchérir les frais de l'éditeur. Donc le mangaka, il pourrait très bien dire, "Bien moi, ok, je fais des factures, pas de problème, et euh, l'éditeur sera content. De toute façon, l'éditeur va lui demander. Mais euh, si le mangaka fait ça lui-même, eh bien, lui-même va se trouver dans la même position que l'éditeur, il va vouloir déduire une part de TVA sur ce qu'il aura payé à ses prestataires et ses prestataires et eh bien ce sont par exemple les assistants sauf que pour pouvoir lui-même déduire la part de TVA payée aux assistants il faut que les assistants émettent une facture en bonne et due forme avec un, un numéro officiel et pour les assistants, c'est là que se pose le principal problème en fait, c'est qu'eux, ils arrivent en bout de chaîne. Donc ils peuvent, s'ils si émettent la facture et puis qu'ils doivent payer ensuite de la TVA à l'État, que vont-ils pouvoir déduire qui va réduire la part de TVA à payer eh bien, éventuellement la TVA qu'ils auront payée sur l'achat d'un ordinateur. Mais ça, ils vont pas acheter un ordinateur tous les mois pour déduire une TVA qui soit suffisante. Euh, pour le reste, c'est des accessoires qu'achètent les assistants. Donc, ils ont très peu de parts de TVA à déduire. En revanche, ils vont avoir une part de TVA à payer à l'État et risquent eux d'être pénalisés. Et quand on pénalise les assistants dans le secteur du manga, eh bien, on pénalise tout le secteur. D'abord, les assistants, leurs revenus sont déjà pas très élevés. Un assistant il va être payé 10 à 20 milliennes par, euh, par jour le plus souvent en 10 pour des journées qui ont un nombre d'heures euh, largement supérieur à 8 bon, en général on peut compter 12 14 ou 16 heures pour un, pour un assistant de dessinateur de manga et euh, cet assistant de dessinateur de manga en fait euh, la plupart du temps euh, le métier d'assistant ne suffit pas à vivre correctement 50% des assistants de dessinateur de manga touchent par an, un revenu qui est en gros inférieur à 3 millions de yens. Inférieur à 20 000 euros pour arrondir. Donc ça ne suffit pas pour vivre au Japon. Donc ces assistants en bout de chaîne seront les plus pénalisés, ce sont déjà les plus précaires. Résultat, il y a des craintes que le métier d'assistants ne soient plus assez attractifs pour que euh, des nouveaux entrants viennent. Et pour les dessinateurs de manga, ben, pas d'assistants, ce n'est euh, pas de manga. Parce que euh, le rythme de travail suppose un travail en équipe avec des assistants. En outre, les assistants, c'est aussi un vivier pour le monde du manga. C'est-à-dire que les nouveaux dessinateurs du de manga émergent après, en général, avoir été assistants d'un grand dessinateur. Si ce vivier disparaît, ben, c'est toute une une génération de, de nouveaux dessinateurs qui risquent aussi de disparaître et c'est là la grande inquiétude donc c'est pour ça que ce système affecte plus particulièrement le monde du manga mais c'est pas le seul endroit par exemple dans l'animation c'est la même chose les nouvelles mains viennent euh, se former avec les anciennes euh, si on les embraye déjà euh, dès le départ dans un système de facturation qui pénalise les premiers revenus touchés le métier n'est pas suffisamment attractif pour pouvoir continuer et se dire qu'un jour on va gagner assez pour pour en vivre. Euh, le problème se pose aussi pour les doubleurs et doubleuses dans le milieu de, de l'animation euh, parce que euh, ben là il n'y a pas quasiment pas de, de TVA à déduire à partir du moment où l'instrument principal c'est pas un ordinateur c'est sa propre voix et que la voix on ne l'achète pas et que donc il n'y a pas de TVA dessus et que euh, s'il faut payer une TVA en, en, en plus et eh bien ce sera pour eux surtout des revenus en moins euh, le problème se pose pour tout ce qu'on appelle en France les intermittents du spectacle, mais en fait qui ne bénéficient pas de ce statut au Japon, donc dans le milieu du cinéma et dans des tas d'autres milieux. Voilà la problématique qui n'est pas réglée. Le gouvernement, j'ai encore posé la question au porte-parole du gouvernement, euh, il n'est pas en mesure de, de, de me répondre sur des éventuelles dispositions spécifiques pour accompagner les secteurs artistiques vers, dans, dans, dans ce nouveau cadre légal. Il promet néanmoins que des choses seront faites, mais il est incapable d'en donner le détail. Et puis l'autre aspect... C'est effectivement le fait que la mobilisation, quand même, a quand même forcé le gouvernement, à, et particulièrement les services du Premier ministre, à euh, accepter de, 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 de recevoir une pétition qui a reçu à peu près 540 000 signatures en ligne contre ce dispositif. Donc, euh, les médias ont fini par en parler et ben, on verra ce que, ce que ça donne euh, à l'arrivée. Bon, il n'y a pas de raison d'être follement optimiste non plus sur ce que va faire l'État vis-à-vis euh, -vis de ces secteurs, parce que euh, souvent, il ignore les conditions dans lesquelles il travaille, il ignore euh, euh, ce que ça suppose de, euh, de passion et de labeur pour arriver à, euh, à faire une, cette pop culture japonaise euh, si appréciée, au Japon et à l'étranger, mais si mal accompagné euh, sur le plan politique. Voilà, j'en ai fini avec cet aspect là. Je termine juste sur euh, une page de publicité. Je dirais euh, une page de publicité, c'est ici. Euh, c'est la couverture de mon nouveau livre qui sort chez Talandier, comme les précédents d'ailleurs. Celui-là s'appelle Japon la face cachée de la perfection. Alors, ceux qui sont venus au Japon le savent très bien, le Japon, c'est quasi parfait quand on arrive comme touriste. C'est vraiment un pays de, de, de rêve où on a l'impression, effectivement, que euh, tout fonctionne à merveille. Et, euh, et ce n'est pas faux. Hein. Beaucoup de choses fonctionnent très, très bien au Japon, mais à quel prix À quel prix C'est ce que va chercher à voir ce livre. C'est-à-dire. Quel est le revers de cette perfection? Quelle en est la face cachée? À quel prix de tourment, de, de labeur, de détresse, euh, de euh, difficultés, euh, toute cette perfection peut exister? Et, quel est, et quelles sont la, les politiques qui se, se cachent derrière? Euh, quelles sont les, euh, les injustices qui se cachent derrière? Euh, quelles sont les euh, les, 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 les populations les plus euh, maltraitées dans ce système, c'est ce que va voir ce livre qui sort le 19 octobre, Japon, la face cachée de la perfection. Merci à tous.